Le texte de saint Malachie nous donnera 96 pieds poétiques. La traduction en français révélera un petit récit mettant en évidence notre période actuelle et annoncera la destruction de Rome. Ce récit sera nominatif. Celui-ci aura pour but de mettre en évidence un second texte beaucoup plus obscur dans sa composition et dans sa lecture, mais cette fois à partir de l'écriture latine. Ce texte sera nominatif également et contiendra le nom de Nostradamus, de Inril II, ainsi que le nom de deux présidents actuels, acteurs des scènes du monde d'aujourd'hui. La destruction de Rome sera inscrite en clair. Il reste énormément de travail à faire sur ce texte. Nous allons découvrir maintenant la façon de lire le texte secret caché dans ces quelques lignes. Nous ne pourrons pas nier l'évidence qu'une entité puissante essaye de communiquer avec nous de cette lointaine époque. Ce sera à nous de faire l'effort de la comprendre, car celle-ci désire nous avertir de quelque chose de grave. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Je vous demande de faire circuler ces vidéos sur les réseaux sociaux, car malheureusement les sentences de ces prophéties sont véritables. Je dois me servir de toutes les armes qui sont en mon pouvoir afin d'avertir l'humanité entière. Ce texte que beaucoup disent apocryphe ne pouvait pas contenir uniquement cette apparence directe de lecture, mais devait englober autre chose. Je pris donc cette étude publiée par Arnold de Vion en 1977 avec la certitude d'y découvrir quelques éléments concis. Ce fut après de nombreux échecs qui plus tard me prouvèrent qu'ils n'en étaient pas, mais qu'ils étaient avant tout un manque de connaissances dans la façon de lire. En réalité, je ne savais pas lire cette écriture. Avec beaucoup de difficultés pour la langue latine, je pris la seule ligne écrite en ancien français, persuadé que cette ligne avait été écrite par l'auteur lui-même de la célèbre prophétie des papes, et qu'Arnold de Vion, en 1595, n'avait fait que la retranscrire avec quelques variantes. Pour moi, si quelque chose était caché, ce ne pouvait être que dans cette ligne. Je pris donc la ligne la plus explicite des variantes publiées à partir d'Arnold de Vion. Cette ligne représente le haut de l'iceberg, car en effet, elle n'est présente qu'à titre d'information, permettant d'envisager autre chose de bien plus complexe. Voici le contenu de la ligne en jaune, une des variantes d'Arnold de Vion. Dans la dernière persécution de l'Église chrétienne siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux sept collines sera détruite, et le juge redoutable jugera le peuple, le sien. Fini. Maintenant, nous allons découvrir ce que contenait cette ligne. Voici ce que contenaient ces 96 pieds poétiques de cette ligne. La lecture sera exactement issue du même principe que l'écriture secrète de Nostradamus. Voici la première partie de la révélation. La peine sera pour les êtres, de cela vous en souffrirez. Je laisse les usages être cela, les notes obtenues de cette haute coutume. Savoir le jugement, j'ai gelé la laideur dantesque. La nénette dans le froid, il faut faire l'air des mots, les ériger verticalement. J'ai fait ce jeu des mots, proche tu tisses ce savoir, accepte ce sceptre et cette heure de la terre en heure de la herse. Les récits par les notes ici même de cette manière, le ciel laissera ses usages rares par cet art. Les musulmans ici même vous les laisserez prendre naissance sur notre sol. Les eaux iront sur les industries, les chaudières, les centrales nucléaires. La laideur sera par la haine des Andes. De Dieu seront les heures de cette ère. Elles seront réelles. Le relais par ses notes. Les avoir le premier. Et avoir élevé ce savoir scellé. La seule lecture sera le lien. Et cela par ses notes. En août sera la fin. Fini Saint-Pierre. Seront les pires heures d'hier mises par le médecin. Je laisse dans une tirade en vers les scènes qui naîtront. Les usages assez bien habillés. Ici même seront les abysses. Pour cette époque, de l'accusation de la terre, la terreur de ses heures, la lecture des lieux et les avoir rapidement sera dans ce savoir scellé.
Voici la deuxième partie de la révélation. Il sera le seul usage de l'espérance du Père, et avoir pour les hommes les heures de rage et d'orage. J'ai eu peur de ces heures, ce pouvoir-là. J'ai élu ici même par la lecture l'heure de l'ère difficile de Dieu. De ma main sera demain le Dieu de tous les hommes. J'ai dans ce jeu des mots savoir la cessation de Rome. Les hommes seront nombreux. Pour les êtres de la terre, dans les rues sera l'époque des mots. L'ère des mots sera Horace, et par ce savoir sera la certitude que vous, vous aurez. De la curie de Rome, les hommes auront en main la certitude. Du mage, vous aurez la première possession. Les usages seront hésitation. De cette citation, la terre l'entendra. Tu mettras en mai les images du mage. Maintenant, la lecture laissée par ce savoir des usages, les notes contiendront la durée de la vie. Dans les leçons des vers léonins qui prendront naissance. Patrick, par l'air des mots, ici. Savoir la citation, l'idée en tête de ce pouvoir pour les hommes. En ayant du cryptage la volonté de voir la menace dans ses notes, ici même, de la même manière que la citation. La terre recevra de l'air des mots le but de ses notes clés, ainsi que les premières plaies par ce pouvoir-là. La herse représente l'engin agricole servant à aplanir les terres cultivables, en cassant les mottes de terre et en créant des sillons. Nostradamus se sert de ce mot afin de décrire le phénomène mondial lorsque la herse passera sur toutes les terres. Et cette herse passera afin de permettre une nouvelle semence. La révélation que nous venons de découvrir se trouvait dissimulée dans le texte qui est situé à la fin de la prophétie des papes. Celui-ci sera inscrit comme étant la 112e devise. Ce nombre n'étant pas inscrit dans la rédaction, devait dissimuler quelque chose d'autre. La clé de décryptage de la conversion par le principe de réduction des chiffres ne pouvait produire que deux combinaisons possibles, le chiffre 4 ou le nombre 13. Si cryptage il y avait, il serait automatiquement l'un des deux. Puisque nous avons 112 égale 12 plus 1 égale 13, ou bien nous avions 11 plus 2 égale 13, et puis nous avions 112 égale 1 plus 1 plus 2 égale 4. Voilà en quoi résidait le secret de cette petite phrase. Première partie du principe de la révélation, le texte original en latin, et ensuite la traduction d'origine française en ancien français, issue d'une des variantes de Arnold de Vion. Ce que nous allons découvrir ne se limite pas à cet exemple. La prophétie des papes est une œuvre gigantesque. Comme nous allons le découvrir, celle-ci se compose de deux parties totalement différentes l'une de l'autre. La première partie ouvre une nouvelle perspective sur le principe d'expression des textes de Nostradamus. De là à envisager que la création de cette prophétie ait été réalisée par quelqu'un de similaire à Nostradamus ou ayant pratiqué la même science révélatrice du principe de cryptage, dans ce principal exemple prophétique, nous pouvons affirmer que ce texte entre en complément des textes de Nostradamus. Ce complément sera le prolongement de l'information. De plus, ce principe éclaire le dernier acte permettant le rangement de la prose de Nostradamus à partir des événements révélateurs comme Napoléon et Louis XVI, dont les noms sont écrits correctement. Il est plus que probable que cette création est issue de la même source de rédaction que les centuries. De là à envisager que ces textes sont issus du même personnage, il n'y a qu'un petit pas. Voici comment nous devions ranger les pieds poétiques selon le nombre 13. Si nous lisons les lignes verticalement, nous retrouvons l'ensemble de la phrase, colonne après colonne. Les mots écrits en jaune dans ce tableau représentent les évidences, car ces évidences permettent de comprendre le début du texte et de constater la volonté d'expression. À partir de cette simple composition, nous devons obtenir la certitude par l'inscription de faits avérés. Personnellement, les faits avérés, je les ai écrits en jaune. La formation du mot arabe est incontestable. Celui-ci correspond à notre époque avec la suite de la phrase. Car de l'époque de Saint Malachie ou de Nostradamus, aucun arabe ne s'installait en communauté abondante en France. Charles Martel et le conflit de Poitiers étaient encore présents dans toutes les mémoires.
mais surtout par la fin de la présence musulmane en Espagne et au Portugal, installée depuis 711. Isabelle la catholique organisa la Reconquista afin de chasser les derniers musulmans d'Espagne en 1492 et réunifier l'Espagne en tant que terre chrétienne. Saint-Pierre sera une notation de certitude, car celui-ci n'est pas inscrit dans le texte d'origine, et démontre bien la volonté de faire comprendre qu'il s'agit de la religion chrétienne et de son berceau. Ne dit-on pas Saint-Pierre de Rome, dont le symbole sera le Vatican ? Espérer sera une autre réalité de la composition. Ces textes sont avant tout une espérance de Dieu et de tous les saints. Si ce n'était pas le cas, les textes n'existeraient pas, afin d'éclairer le monde par ce cryptage invisible de tous. Patrick, écrit avec un C, sera la dernière certitude de cette petite phrase d'origine latine. Car l'espérance sera de découvrir le texte. Mais pour cela, il fallait un signe, nommer celui qui découvrira les textes cachés. La dernière certitude ne sera pas cette étude. Elle sera évidemment le contenu du texte intégral, dissimulé dans un autre principe bien plus complexe que cette simple analyse. Le résultat du décryptage est gigantesque. Il ne laisse aucune alternative quant à la transmission d'un message pour l'humanité. Les paramètres de lecture ici, dans les textes de Saint Malachie, seront similaires à la lecture des textes de Nostradamus. Voici maintenant les analyses permettant de supprimer toutes sortes de doutes quant à la lecture des pieds poétiques. J'ai installé 10 secondes à chacun des tableaux afin de vous permettre de lire. Ce sera à vous d'arrêter la vidéo afin de mieux analyser cette page. Vous trouverez tous mes livres sur le site www.nostradamuspb.fr. Essayez de m'en acheter quelques-uns, car il me faut faire les traductions dans les langues européennes les plus courantes. Enfin, au départ, ce sera en anglais et en espagnol. Le prix de ces conversions est exorbitant. Alors aidez-moi. Vous avez de petits livres à partir de 12 euros sur mon site. Car je dois avertir tous ceux qui désirent entendre les paroles de la prophétie. Et cela dans le monde entier. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Vous trouverez toutes les vidéos sur la véritable révélation de Nostradamus sur YouTube à bouvierpatrick/vidéo et sur la chaîne de cette même adresse. Le principe complet d'analyse se trouve sur le site nostradamusbp.fr. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.